à mon frère pour remercier toute la presse pour cette présence massive à cette conférence de presse qui est très importante pour nous et pour tous les citoyens pour la suite en fait de la lutte qui a été entamée pour que le gouvernement sénégalais puisse revenir sur la décision d'augmentation du prix de l'électricité, mais aussi pour exiger la libération immédiate de nos camarades Fallou Gala Seck, Souleymane Diokou, Malik Biaye, Pape Abdoulaye Touré, Guy Marius Sagna, Docteur Babacar Diop, Mamadou Diao Diallo, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, qui va passer en prison pour avoir dénoncé ce que tout le peuple sénégalais a voulu dénoncer, c'est-à-dire l'augmentation du prix de l'électricité qui est déjà très chère. Et puis notre camarade aussi, Ousmane Sarr. Après la marche mémorable du vendredi 13 décembre 2019, le collectif Nyolank a tenu sa réunion d'évaluation ce lundi 16 décembre en présence de ses membres. Il s'est tout d'abord félicité de la mobilisation grandiose du peuple sénégalais dans toute sa diversité, avec une mention spéciale aux Sénégalaises et Sénégalais du troisième âge, qui a manifesté sa légendaire capacité d'indignation. Par cet élan unitaire et solidaire, notre peuple a démontré, s'il en était encore besoin, que le Sénégal de la dignité, de l'honneur, du refus de l'oppression est plus que jamais présent. Ce grand peuple qui n'a jamais raté les rendez-vous historiques de la vie de notre chère nation s'est encore illustré ce vendredi 13 décembre 2019, toujours avec fière allure et le patriotisme en bandoulière à travers une procession pacifique pour exprimer avec fermeté son refus de toute hausse du prix de l'électricité et son attachement viscéral aux libertés individuelles et collectives obtenues de haute lutte. Cette manifestation historique renseigne même aux esprits les plus paresseux que les questions essentielles de survie des ménages sont l'affaire de tous les Sénégalais, jeunes, retraités, ménagères, commerçants, étudiants, artisans ou cadres, et fédèrent organisations de consommateurs, syndicats, mouvements citoyens, partis politiques et personnalités de tous bords. Chers compatriotes, la lutte ne fait que commencer. Elle exige une forte détermination pour arrêter ces agressions contre le pouvoir d'achat des Sénégalais. C'est pourquoi nous appelons les Sénégalaises et les Sénégalais à rester vigilants et mobilisés jusqu'à la satisfaction de nos revendications, à savoir le retrait pur et simple de la mesure d'augmentation du prix de l'électricité et la libération immédiate et sans condition des camarades qui ont marché pour exprimer leur opposition à cette décision scélérate. Et encore une fois, il s'agit des camarades Fallou Gala Seck, Souleymane Diokou, Malik Biaye, Pape Abdoulaye Touré, Guy Marius Sagna, le docteur Babacar Diop, Mamadou Diao Diallo, c'est son anniversaire aujourd'hui, je le signale encore, et Ousmane Sarr. Le collectif rappelle que la hausse des tarifs de l'électricité intervient après d'autres mesures, dont le resserrement du contrôle douanier contre les importateurs ayant abouti à l'augmentation des coûts des produits importés, l'augmentation aussi des prix à la pompe de l'essence et du gasoil, la hausse des prix des denrées de première nécessité, etc. Elle sera suivie d'autres mesures qui n'excluent pas la hausse des impôts,
si nous restons passifs. Toutes ces mesures sont partie intégrante d'un plan d'ajustement structurel imposé à l'État du Sénégal qui subit les conséquences de ces gaspillages. Ce n'est pas aux citoyens de payer pour ces gaspillages qu'ils n'ont pas causés. Ce n'est pas aux citoyens de payer pour ces gaspillages qu'ils n'ont pas causés. Surtout pas pour la Sénélec, ce gouffre à milliards opaques. Le refus de sa direction de toute idée d'un audit est en soi une preuve éloquente du manque de transparence pour une société nationale de son envergure. Ces faits qui mobilisent les dignes Sénégalaises et les dignes Sénégalais sont hautement aussi importants que les divagations du porte-parole du gouvernement dont les habitudes vaporeuses et enfumées connues sont plus proches de l'ivresse réelle que de la vérité. C'est pourquoi ces propos sont à minimiser, tout comme ceux d'un autre guéluron de la cour des maquisards. Loin de se laisser divertir, le collectif Nyonlank continuera son chemin en restant droit dans ses bottes, dans cette démarche pacifique, populaire, et centré sur la défense du pouvoir d'achat, la dignité des ménages, rudoyée par la crise financière de l'État. Le collectif Nyonlank renouvelle son appel à toutes les Sénégalaises et à tous les Sénégalais, mus par cet objectif unique pour consolider une plateforme générale et efficace de défense des ménages dans ces moments périlleux où l'État cherche argent désespérément et n'a Dieu que les poches des familles pour compenser ses échecs. Chers compatriotes, la mobilisation va monter d'un cran ce vendredi 20 décembre 2019 à travers un rassemblement pacifique plus massif que la marche mémorable du 13 décembre 2019. En effet, le collectif Nyonlank a satisfait toutes les formalités relatives à une lettre d'information pour une manifestation pacifique le vendredi 20 décembre 2019 à partir de 15h. Il s'agit d'un rassemblement citoyen à la place de l'indépendance. Il s'agit d'un rassemblement pacifique citoyen à la place de l'indépendance. Il revient aux autorités de prendre toutes les dispositions idoines pour assurer, en appui avec le collectif Nyonlank, la sécurité des citoyens qui vont se mobiliser massivement pour réaffirmer leur refus de toute hausse du prix de l'électricité et exiger la libération immédiate et sans condition des otages du palais. Vive le collectif Nyonlank pour la défense du pouvoir d'achat des Sénégalais. Fait à Dakar le 17 décembre 2019. Merci beaucoup. Pensez tous vos corps à frapper les balles à fond. Le lion rouge a rugi, le dompteur de la brousse. Devons se dénoncer, dissipant les ténèbres, le soleil sur nos terres. Soleil sur notre espoir. Debout frères, voici l'Afrique rassemblée. Fibre de mon cœur vert, épaule contre épaule. Mais plus que frères, Sénégalais debout. Unissons la mer et les sources. Unissons la steppe et la forêt. Salut Afrique mère.